Le roi, la loi, la liberté. Well, de beste, de laatste was heel goed. Welkom terug, testers. Aujourd'hui, vous allez regarder du football sur la télévision. Mais pas n'importe quel téléviseur. Een smart TV. Wow. 4K. Weet je wat dat is, 4K? Je crois que c'est en rapport avec l'image, la qualité de l'image est un petit peu mieux que HD. Casten, gaming mode. Al die dingen kan je met zo'n slimme TV. Sont-elles des mots à la mode? Ou font-elles une réelle différence dans l'expérience visuelle? We zullen zien. Puntje, puntje, puntje. Ce qu'on devait tester aujourd'hui, c'est l'application de casting. Et pour ça, on devait retrouver le plus vite possible le meilleur match. In 1986, de Rode Duivels tegen Argentinië. Dus ja, er was een tv, er was een gsm. En dat zou daar dan moeten mee gaan dat ik die match op tv zou zien. Ja, dat is mij niet gelukt. Ik kwam wel op het idee, zoals we dat thuis doen, van eens op YouTube te gaan kijken. Marcel, ik heb hier WK VOD ingetikt. Hoe moet ik die thee wegdoen? Dan ben ik maar naar Google gegaan. Ik ben bij Wikipedia. Ondertussen had mijn buurman het al wel gevonden op zijn tv. En op een bepaald punt heb ik het gewoon opgegeven. Ah ja, ik kon dan al de match zien bij de buurman. Goh, ik weet eigenlijk niet of dat nu echt wel zo handig is, die cast. Voor mij is het geniaal. Maar il faut avoir un GSM avec l'application. Voilà. Si vous l'avez pas, ça va pas marcher, non. Pour tester si la 4K était meilleure que la HD, on a joué à Ouai Waldo, mais alors concrètement, c'était sur deux écrans télé différents. Il y en avait un en 4K, puis un en HD. À partir de là, il fallait chercher la télécommande. Et als we het dan hadden gevonden, moesten we op een klaxon duwen. Clairement, c'était beaucoup plus facile de jouer sur l'écran en 4K parce qu'il y avait beaucoup plus de détails. Waarom loop ik zelf? Bon, montre-moi. En dan hebben wij ook eens gewisseld en dan mocht ik bij het HD-beeld en dan vond ik het niet. Dus er is wel echt een gigantisch verschil. HD of 4K? Bij 4K, manifestement, c'était mieux. Vraiment. We hebben gekozen. Donc aujourd'hui, on a testé le gaming mode sur une smart TV. Dat zou dan zo gezegd ervoor zorgen dat uw ervaring versterkt wordt of zo? On nous a mis des bracelets pour calculer le battement des cœurs. Dus we hebben FIFA gespeeld. We hebben dat eerst in de gewone mode gespeeld met die hartslagmeter. En dan in een gaming mode om te kijken of dat we effectief helemaal in de game zaten. Toen dat die in gaming mode aanging, had ik wel echt door dat die kleuren anders waren. C'est un peu plus terne. Je trouve même les couleurs sont un peu plus tristes. Oui. C'est bizarre. Je pense qu'il faut qu'on s'habitue un peu. Misschien is dat. Peut-être pour un jeu d'aventure, ça peut être sympa, mais là pour un jeu de sport. Maar ik moet wel zeggen dat je wel ziet dat die spelers daardoor wel realistischer worden. Weet je wat, we moeten subiet proberen te scoren met Kevin De Bruyne. Ik was daar net toch opvallend roze, omdat dat nu ook zo is. Oh, daar komt die! Oh. Allee! Ik vind het risico. Wacht. Hier is hem. Ja, ik vind dat wel echt beter. C'est plus réaliste. Ja. Dus, na een tijdje te winnen, oké, ça va. Ja, dus achteraf hebben we dan de resultaten bekeken van die hartslagmeter. En wat bleek? Geen verschil. Le gaming mode? Non. Nee. Non. Niks.